Dodo. Panier. Prétendent que Martin Lee a la capacité, je cite, de corrompre la population. Corrompre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent que c'est un genre de contrôle mental qui fait ressortir ton côté négatif. Tu fais des choses que tu ferais pas d'habitude. Ouais, un peu tiré par les cheveux pour moi. De la part d'un type qui court sur les murs, c'est le comble. On est en train de préparer un nouvel article sur Jefferson Davis, et du coup je me demandais, comment va son fils, Miles ? Trop bien. Le tuyau d'MJ était juste. Cet endroit grouille de démons. Je dois me débarrasser d'eux. Je ferai du repérage après.
Ok, le compte est bon. Une serrure haute sécurité. C'est plus courant dans les banques que dans les centres de tri. Je pourrais peut-être trouver d'où vient l'alimentation. Je devrais pouvoir contourner le circuit. Il me faut mes toiles électriques. Bon, au moins ça marche. Et on dirait que les circuits ont besoin d'un peu plus de jus. Je dois trouver une boîte de dérivation. Et voilà. Le circuit a l'air encore stable. Il y a peut-être une autre boîte de dérivation dans le coin. On y est presque. Encore une et ça devrait être bon. Trouvé. Et voilà. Oh, waouh. Ça vient de l'armurerie de Fisk. Des camions piégés? C'est dingue! Ça doit être là qu'il compte frapper. Attends. C'est le bureau de campagne d'Osborne. Pas mal de matos high-tech. Peut-être que je pourrais recycler tout ça pour m'en faire des armes. Ce sont les explosifs du chantier de Fisk. C'était pas une guerre de gang. Les démons n'ont volé Fisk que pour s'en prendre à Osborne. Salut, t'as trouvé Lee ? Non, mais t'avais raison. Lee utilise cet endroit comme planque pour les démons. Il y a des bombes, des armes. Oh, c'est pas vrai. Et on dirait qu'il prépare une autre attaque. Cette fois, contre le bureau de campagne du maire. Il doit avoir une dent contre Norman Osborn. J'ai trouvé une adresse. Je crois que c'est leur base d'opération. Sois prudent. Yuri, c'est moi. Faites vite, mon chef m'attend pour me passer un savon. Martin Lee et les démons préparent une nouvelle attaque. Cette fois contre le bureau de campagne de Norman Osborn. Vous êtes sûr? Parce qu'on a eu pas mal de fausses pistes cette semaine. Faites-moi confiance. Je vous envoie l'adresse d'un centre de tri. Vous trouverez toutes les preuves dont vous aurez besoin. Entendu. Je vais faire évacuer ce bureau de campagne. Et si je fais ça pour rien, vous aurez mon licenciement sur la conscience.
Consolidated Shipping. Il y a du monde. Faut que j'essaye d'y aller discrètement. Mais aussi avec style. Je peux utiliser ce que j'ai trouvé au centre de tri? La classe! J'adore utiliser les armes des méchants contre eux. Et ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle le karma. Des dodos! Coucou, je panier. Tu l'as pas vu venir, celle-là. Thank you.
单位。 Bonne nuit. Lee n'est pas là. Je ferai bien de regarder à l'intérieur. Heureusement que j'ai mis un terme à tout ça, ils auraient pu faire sauter la moitié de Manhattan avec un stock pareil. Ils plaisantent pas, ces gars-là. La facture d'un garage. Pale Horse Rides. Eh bon, c'est fait plaisir, on dirait. Qu'est-ce que je peux bien trouver d'autre? Ils ont des bases aux quatre coins de la ville. C'est pire que ce que je pensais. Les démons disposent carrément d'une armée. Si un seul foie mortel suffisait pas. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais clairement pas à ça. Hé, hey, MJ, je crois que j'ai fait échouer l'attaque des démons contre le bureau de campagne d'Osport. Bien joué. Est-ce que t'as trouvé lui? Non, mais j'ai trouvé quelque chose qu'il faudrait creuser. Un endroit appelé Pale Horse Rides. Je me dis quelque chose. Je vais vérifier, je tiens pas à courant. Arme de retour!
dirigeons vers l'emplacement. En voilà un autre. Paré à tirer. C'est nouveau, ça. Non, celui-là est pour moi. Allez. Je vais lui mettre une balle à ce fils. Hé ! C'est pas comme ça qu'on fait ! Chier ! Nous ! Code SM1. Wow ! Et avant de commencer, on pourrait se présenter ? Code SM1. Nous attendons les ordres. Reçu code SM1. Visuel confirmé. Attendez Silverbird. Ah, sur l'échelle de je me la raconte, c'est 8 sur 10. Ok, 9 sur 10. Relâchez-le. Il est avec nous. Yori, vous pouvez m'expliquer ? Voici Silver Sablinova. Elle dirige Sable International. Une force de sécurité privée. Elle a été engagée par le maire Osborne. Ah, le maire a son armée perso maintenant ? La prochaine fois que vous êtes dans mes pattes, je serai pas aussi gentille. Allez-y. On se voit plus tard. Désolé pour cette histoire avec Sable. J'aurais dû vous en parler plus tôt, mais c'est arrivé si vite. C'est pas grave. Je suis toujours votre meilleur ami. Vous êtes pas mon meilleur ami. Là, vous me faites de la peine. Bref, Sable est dans les petits papiers du maire et a pour ainsi dire carte blanche. Nous avons trouvé de nombreux indices sur l'attentat à l'adresse que vous nous aviez fourni, mais rien qui n'incrimine Martin Lee. J'y travaille. Salut MJ. Bon, j'ai des infos sur les autres commerces détenus par Martin Lee. Il possède des propriétés partout dans la ville. Ah. Les endroits correspondent à cette carte que j'ai trouvée dans la boîte de transport. J'irai faire un tour. Tu me diras ce que tu t'en dossier. Ça marche. Je me rends au centre Fist, voir si je peux en apprendre plus sur ses motivations. Et sur ce qu'il a derrière la tête. D'accord. Passe le bonjour à May de ma part. Ah non, tu penses pas qu'elle est en danger quand même ? Non ! Lee n'a qu'une seule cible en tête. Norman Osborne !